bien, vous avez eu mon petit déjeuner en petite intro. Voilà, comme d'habitude, hein, comme je vous l'ai dit, c'est fromage. Là, j'ai ajouté. Ah bah non, il pleut, les gars! Ah bah non! Je suis en pantacourt, moi, il pleut! Mais non, les gars. Bon, je vais aller mettre un pantalon. Bon. Là, il est 9h30. On s'en va avec Enzo. On va aller faire un tour au shopping à Auchan, à Brétigny. Tout simplement parce qu'il faut que je l'emmène chez le barbeur. Bon, bah, du coup, moi, j'ai mis t-shirt et j'ai mis un legging, voilà, court, pensant qu'il cet après-midi ferait 22 degrés. Voilà. Donc je pense que bah, je vais aller me rechanger, je vais aller mettre un pantalon ou pas, j'en sais rien, je sais pas combien de fait de degrés. Alors j'ai mon téléphone portable qui m'a lâché lamentablement hier, il veut plus rien savoir, on peut plus m'appeler, je peux plus rien envoyer, je peux plus, oh, l'écran tactile fonctionne plus, enfin c'est une catastrophe. En même temps il a fait quand même presque 6 ans de bons et loyaux services, donc faudrait pas. Donc j'en ai recommandé un autre hier, j'ai pris un Samsung A54, je voulais pas mettre plus de 450 euros. Je voulais vraiment pas mettre trop cher. Déjà, je trouve que c'est trop cher pour ce prix-là. Mais comme j'en ai besoin bah, pour le travail. Donc normalement, je devais le recevoir aujourd'hui. Mais comme on n'est pas là, je le recevrai lundi. Donc là, aujourd'hui, on est le 1er septembre. Et bah ça y est, on est au mois de septembre. Il nous annonce très chaud là dans la semaine qui va venir. Donc on verra. Mais j'ai vu 29 degrés pour cette semaine. Ou pas. Donc là, j'ai si vous avez rien eu sur Instagram, là c'est quelques jours, bah, c'est normal parce que j'avais plus de téléphone. Je pense qu'on doit pouvoir aussi poster peut-être de l'ordinateur, faut que j'essaye, on verra. Enfin bref, donc là on va aller chez le barbeur pour que Enzo se fasse couper les cheveux. Moi, il faut que j'aille chez CA ou autre pour essayer de trouver une chemise de nuit parce que voilà, comme je dis, j'ai pas de pyjama puisque je n'en porte pas. Donc pour l'intervention, on me demande une chemise de nuit. Je pense que c'est tout simplement plus facile comme je vais avoir les trous bah, nombril et puis bas du ventre puisque normalement c'est en cellio, bah, ça évite que la ceinture du pantalon, je pense, doit appuyer sur les points. Donc voilà, mais j'ai pas de chemise de nuit. Donc j'ai regardé si j'avais des longs t-shirts, mais les t-shirts qui arrivent, ça va pas assez loin. Donc je vais aller voir ça pendant qu'il va aller se faire couper les cheveux. Et puis je pense qu'on va se faire un petit resto ce midi avec Enzo tous les deux. Toujours en restant chrono pour moi, puisque demain on est invité, donc demain ça sera mon joker. Ou pas, tout va dépendre de ce qu'il va y avoir à manger. Et voilà, quand je peux pas faire autrement, je prends un joker. Quand je peux faire autrement et que j'essaye de rester dans les clous chrono, je reste dans les clous chrono. Vous aurez le petit bilan des 5 mois, je pense. Là, on est le premier, donc normalement la pesée c'est le 12. Donc je pense que d'ici une dizaine de jours, vous aurez le bilan. Donc bah, là, ça continue. 2 décembre, bon, malgré que là je me suis pesée ce matin, ça a remonté un petit peu tout simplement parce que le transit n'est pas là. Donc voilà, c'est tout à fait normal. Donc de toute façon, maintenant je me pèse quasiment que tous les 15 jours, voire toutes les 3 semaines. Et j'essaye en fait de pousser maintenant à qu'une seule fois par mois, c'est-à-dire le jour anniversaire du mois, c'est-à-dire le 12 du mois, puisque le 12 du mois c'est quand j'avais commencé le programme. Et donc voilà, j'essaye de maintenant de décaler pour voilà. Parce que comme je sais que pertinemment que ça descend et que voilà tranquillement, bah maintenant ça me met moins de pression. Voilà, donc voilà pour le petit programme de ce matin. On va aller faire tout ça. Cet après-midi, je vais sortir toute ma déco d'automne. J'en ai déjà sorti un petit peu. J'espère que ça va se calmer au niveau du temps. Il faut que je regarde la météo là, ce qu'il prévoit, parce que sinon il faut que j'aille me rechanger. Mais comme on est à l'intérieur et dans les magasins, il fait chaud et que j'ai jamais froid en fait, j'ai tout le temps chaud. Je sais pas, mais il pleut, voilà. Donc je dois avoir un parapluie dans la voiture. Ouais, j'ai un parapluie dans la voiture. Oh non, mais c'est fou ça, c'est ce temps de crotte là. Moi j'aime l'automne, mais j'aime l'automne, vous savez. Enfin l'automne, c'est pas encore, hein, c'est le 21 septembre, 21 ou 22 je crois. Moi j'aime l'automne quand il fait beau et frais et voilà. Pas trop l'automne pluvieux, quoique l'automne pluvieux plaide Harry Potter et chocolat chaud, c'est pas mal ça aussi. Bon. Et puis je vous retrouve tout à l'heure pour vous faire voir le reste de ma petite commande VIP Cross Stitch. Et je crois que j'ai d'autres petites choses à vous montrer, il me semble.
Enfin bref, on se retrouve tout à l'heure. On va peut-être aller faire un tour chez Action si je trouve des petites choses ou autres déco que je trouve ce matin, parce qu'on va peut-être aller faire les boutiques. Je vous montrerai notre shopping. Voilà, à tout à l'heure. Bon, je vous reprends. Il est midi moins le quart. Finalement, on n'a pas mangé au restaurant tout simplement parce que j'ai pas trouvé ce que je voulais. Hein. Voilà, j'ai fait pas mal de ma boutique, les chemises de nuit, tout ça, il n'y a pas. Ou alors c'est des trucs qui font mamie. Enfin voilà, donc je vais me rabattre encore sur internet. Chez le barbeur, il n'y avait pas de place. Bah oui, c'est la rentrée. Moi, je ne me rappelais plus que c'était la rentrée scolaire. Donc là, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place avant la semaine prochaine, mardi ou mercredi. Donc Enzo, comme il était impatient, il voulait se faire couper les cheveux. On est allé chez Sergio Bossi. Elle l'a massacré. Elle a complètement raté. On a payé 19 balles et il l'a complètement raté. Donc du coup, on est rentré. Là, on a essayé de rattraper la coupe. Enfin, Enzo a essayé de rattraper sa coupe avec tondeuse, etc. Et donc là, il est en train de prendre une douche. Donc voilà. Je lui dis voilà, pour être attendu d'aller au barbeur. Il me dit ouais, je préfère aller dans mes bouibouis à Brest. Je paye 10 balles et au moins je suis content. Et voilà. Donc voilà, résultat. La prochaine fois, il me dit j'irai sur Brest. Donc, je vais vous montrer, puis on a fait un petit achat pour, voilà, comme il y avait dans la galerie, il y avait des montres, quelqu'un qui vendait des montres, enfin, et ils vendaient des montres sur la Patrouille de France ou je sais pas quoi, elles sont très très belles, mais du coup ça a été l'occasion d'en offrir une à Enzo et ça sera son cadeau de Noël un peu en avance, comme ça elle en profitera, je vous la montrerai tout à l'heure. Je vais m'installer, j'ai reçu des petites choses de chez My Muesli. My Muesli, une offre qui est pour la rentrée, avec qui peut être un bon point pour votre rentrée, qui sera valable jusqu'au 30 septembre. Et la dernière petite partie de mes accessoires VIP Cross Stitch. Donc je m'installe et je vous retrouve pour vous montrer ça. Donc comme je vous disais, on a acheté, donc du coup on est rentré Fissa parce qu'Enzo il dit moi je veux rentrer à la maison, je suis complètement foirée, je me veux pas au resto comme ça. Comment ça, j'ai réussi à rattraper. Et là il a réussi à rattraper quand même. Si tu veux dire un petit bonjour. Il va vous dire un petit bonjour. Voilà. Vous êtes longtemps à pas le voir. Voilà. C'est bon, j'ai réussi à rattraper. Il a rattrapé ses cheveux. Moi, j'ai fait le devant. Les petites pattes, je lui ai fait le dessin sur le côté. Là, comme ça, comme j'ai pu. Il a rattrapé le dessin sur le côté. Ouais, parce que c'était. Voilà. Et j'ai fait l'arrière aussi. Voilà. Non, mais c'est une honte hein, de laisser un client comme ça sortir avec la coupe comme c'était raté. C'est une honte, hein. Et du coup, on est allé dans la galerie et comme pour Noël, il ne savait pas s'il voulait un nouveau téléphone ou quoi. Puis finalement, on est tombé dans la galerie sur une montre. C'est une montre Patrouille de France comme ça. Le packaging, il est beau, l'emballage. Ça fait le focus sur ta tête. Patrouille de France, l'emballage est joli. Et en plus, le vendeur nous a fait une réduction de 10%, vraiment très gentil. Le pauvre, il s'est fait cambrioler deux fois, il va être en liquidation judiciaire, enfin, vraiment pas de bol. Et la montre, voilà à quoi elle ressemble. Elle est très très belle, hein. Elle fait très habillée, en fait il en voulait une qui était un peu plus habillée que celle qu'il avait eue à son anniversaire, celle-là, la DualShock. Donc celle-ci, il n'y a pas beaucoup de revendeurs qui revendent les montres Patrouille de France. C'est si vous êtes sur de la région Essonne, c'est le Pile Vite, ça s'appelle. Et il est là, il est plus que là deux mois, puisque du coup ils vont être sûrement en liquidation judiciaire. Donc voilà. Petit aparté comme ça peut vous donner des idées cadeaux pour Noël. Et on l'a payé 179 €. Voilà, donc c'est le cadeau de Noël pour Enzo, un petit peu en avance. Voilà, vous avez vu un petit peu Enzo, comme ça vous êtes tout à me demander des nouvelles assez souvent, que ce soit ici ou sur Instagram. Donc comme je vous l'ai dit, tout se passe très bien pour Enzo. Il est là quelques jours avec nous, donc on va en profiter. Donc on devait faire resto, mais on n'a pas fait. C'est mort. T'es mort, on est rentré, il me dit Enzo, mais il me dit j'aurais dû emmener une casquette. Il me dit je me cachais, il me dit non, mais ça m'a bousillé ma journée. Donc c'est pas grave, on fera une autre sortie la semaine prochaine, on verra. Voilà. Ça le fait, Georges, ça va. Ouais, ça a bien, t'as bien rattrapé quand même. Parce c'est normal, étant le talent de colle des moussons. Alors, je vous disais, il y a une offre pour la rentrée chez My Muesli. Ils m'ont envoyé, donc j'ai reçu les produits gratuitement. Ils m'ont envoyé deux muesli. Vous savez, je les aime beaucoup. Moi, je les utilise de plusieurs façons. Donc, soit dans de la compote. Enzo les adore aussi, hein, les muesli. Depuis qu'il est rentré, il leur fait sa fête. Hein. Et je pense que ces deux-là, il va les emmener dans sa chambre, parce qu'il prend les petits déjeuners dans sa chambre le matin.
Donc, du coup, je pense qu'il va emmener ces deux-là. Donc, celui-ci, c'est le choco brownie. Vous avez des petits chunks de, des petits morceaux de chunky brownies, des petits bouts de brownies, des petites boules de chocolat et muesli bio avec du chocolat crunchy et des biscuits au cacao. Ouais, elle est belle, hein. Très belle, très jolie montre. Tu veux faire voir comment ça donne au poignet? Voilà, elle est très très jolie. Elle fait plus habillée, donc là avec une tenue de cérémonie, ça fait plus habillée, voilà. Donc on repasse au muesli. Transition. Donc transition. Et la petite surprise avec le code promo que je vais vous donner qui est le Val2Go. Eh bien, vous avez des 15 euros d'achat, une petite surprise. Vous avez droit en cadeau à ce bol à emporter. Donc, ce bol à emporter, moi, j'en ai déjà un. Donc, celui-ci, je pense que c'est Enzo qui va l'emmener. Voilà, puisque du coup, moi, j'en ai déjà un. Je l'avais pris en rose. Il existe en plusieurs couleurs. Donc là, je l'ai pris en... Bah, je vais l'ouvrir puisque c'est Enzo qui va l'emmener. Donc, ce bol à emporter, il se compose de deux choses comme ça. Et j'avais même la cuillère que j'avais eue aussi. Vous voyez, vous pouvez mettre ici votre dose de muesli, vous mettez tout votre muesli ici et dans le bol vous mettez votre yaourt ou votre lait, et quand vous arrivez au bureau ou pour le goûter, ben vous avez votre lait à l'intérieur ou votre fromage blanc ou votre fromage, enfin votre yaourt protéiné ou des fruits ou voilà, et bien vous mélangez ce qu'il y a là-dedans et comme ça et bien vous pouvez emporter ça dans votre bol. Donc le petit truc qu'il faut, c'est rajouter le code promo quand vous validez la commande dès 15 euros. Et ensuite, eh bien, il faut choisir la couleur du bol. Voilà. Donc bon plan pour la rentrée. Si vous aimez les muesli, si vous aimez les choses My Muesli, voilà. Et ensuite, ma petite seconde partie de la commande VIP Cross Stitch. Comme je vous l'ai dit, vous avez un code promo de -10%. Donc j'ai pris pour compléter la série des maisons, vous savez, comme ceci. Alors celle-ci, je vais la garder. Celle-ci, ce sera pour vous pour un concours. Celle-là, c'est la Halloween. Je vais peut-être la commencer, celle-ci. C'est en point estampé. C'est des bons formats. C'est des 50 par 40. Ça, c'est du bon format. Donc, et celle-ci aussi est en estampé. Celle-ci, c'est la... Un peu maison de sorcière aussi, parce que il y a les gamelles, il y a, voyez, donc impeccable. Ensuite, j'ai pris deux choses qui fait un petit peu hiver, comme ceci, des petits maisons pain d'épices. Alors la toile est blanche, la toile est estampée. Donc moi, je pense que je pense pas que celle-ci, je sais pas si je vais garder les deux. Mais moi, je ne veux pas les broder en estampé, je vais les broder sur une toile foncée comme ça. Parce que du coup, le bleu est fourni pour faire le fond. Mais moi, je vais la broder directement sur une bleue foncée comme ça. Et comme ça, je vais pouvoir broder. Donc, c'est des bons morceaux, hein. C'est des 33 par 33, c'est carré. Celui-ci aussi, qui est très joli, il n'y a pas beaucoup de points arrière. Il y a le point arrière que sur la couronne. Vous voyez, c'est une couronne de... Ouais, de... Non, c'est pas du hou. C'est des... Si, ils ont peut-être du hou, je ne sais pas. Et on a les petits oiseaux ici, un petit oiseau. Donc, et tout le reste, il n'y a pas de point arrière. Mais c'est pareil, tout le fond est à broder. Donc moi, je ne vais pas broder le fond, je vais prendre une toile bleu marine. Ça va être beaucoup plus sympa. Donc ça va être très sympa. Je vous mets de toute façon tous les liens en barre d'infos. Vous avez un code promo de -10% qui est pareil, qui est en barre d'infos. Donc je vous laisse tout ça en barre d'infos. Je vais aller chercher toute ma déco d'automne. Puisque du coup, moi, j'avais rien prévu à manger. Donc il faut le temps que ça décongèle un petit peu. Voilà, parce que du coup j'avais prévu qu'on allait manger au resto, mais du coup bah non, ça sera pas pour aujourd'hui le resto. J'ai cherché toute ma déco d'automne, je vous fais voir un petit peu tout ce que j'ai en déco d'automne et je pense que je vous ferai un petit room tour, enfin une petite, je pense que je vais faire ça la semaine prochaine tranquillement, la déco d'automne, puisque la semaine prochaine on sera la semaine du 4 au 9, ouais, ou peut-être la semaine d'après. Je vais déjà sortir tout, faire un petit peu l'inventaire. Donc je pensais qu'aujourd'hui on aurait fait d'autres petites boutiques. Donc je pense que la semaine prochaine peut-être que... De toute façon il faut que j'aille à Ikea. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas encore allée à Ikea. Je vais profiter des bras, que Enzo soit là pour profiter de ses bras. Voilà. Donc je vous retrouve tout à l'heure. Là on va préparer le repas, etc. Et je vous retrouve tout à l'heure pour vous faire voir ce que j'ai en déco d'automne. Donc voilà un petit peu tout ce que j'ai de déco d'automne. Donc il faut que je regarde un petit peu ce que j'ai pour parce que c'est la semaine prochaine, voir des petites choses qui manquent. En torchon et tout ça, voilà. On a de la déco. J'ai pour faire, faut que je ressorte mon tailleur trait. Je sais pas où je l'ai mis.
Je crois qu'il doit être dans la déco de Noël. Enfin, j'en ai un autre là-haut. Au pire, je prendrai celle du haut. J'ai plein dans les sacs, là, j'ai plein de citrouilles, des citrouilles. Là, il y a plein de feuillages. J'en ai encore là-bas de ce que j'avais pris chez Action. Enfin, voilà. Donc, je vais essayer de faire un petit peu le point. Il faut que je sorte aussi les affiches pour pouvoir changer les affiches. Donc, bah, j'ai des lots de citrouilles comme ça que j'avais sur Amazon. Ça, c'est des petites choses que j'avais commandées sur AliExpress. Ça, c'est des vases qui viennent de chez... que j'avais eu dans des box. Là, il y en a de chez Action. Ça, je crois que c'était chez... je sais plus. Je crois que c'était chez Jiffy. Ça, c'était chez BN, mes petites bougies de l'année dernière. Et il y a du... Il y a du Casa. Ça, c'était une belle citrouille de chez Casa. Voilà, elles étaient en velours. Bon, je pense que la semaine prochaine, j'irai faire un tour à BM, etc. Je sais pas encore quand. Pas lundi, parce que du coup, lundi, j'attends mon téléphone. Mardi, j'ai la prise de sang. Donc, ouais, peut-être mardi. On ira peut-être faire un tour après mardi, quand je vais te lever de bonne heure. Donc, on va voir. Voilà. Donc, je vais remettre tout ça dans la caisse. Je vais sortir tout pour voir exactement ce que j'ai. Ce qui me manque, ce qui me manque pas. Alors, en citrouille, je pense que je suis bon. Je vais sortir mes affiches aussi. Donc, je pense que la semaine prochaine, ben, je vais m'atteler à la déco d'automne. Comme ça, je vous montrerai une fois que tout sera installé. Le temps se recouvre. Ils nous ont annoncé chaud cette semaine. On verra la semaine prochaine. Je vais aller. Du coup, on va manger un peu plus tard parce que du coup, on n'a pas encore faim ni l'un ni l'autre. Là, il est 1h15. Je vais aller commencer à faire à manger. Comme ça va être prêt quand on aura faim. Et puis, on se retrouve nous très vite pour d'autres vidéos. Je vous fais plein plein de bisous. Ciao, ciao! How come the stars come to shine when it's dark from so far away? Show us where we